Né en 1956 dans une famille typiquement québécoise du temps, aussi Oui. jeune qu'il s'en souvienne, il ne croyait pas en Dieu. Il a été un athée tout au long de sa jeunesse, jusqu'à une rencontre très spéciale. Son frère lui a présenté l'Évangile. Alors donc, avec acharnement en plus. Pourquoi? Parce qu'il était coriace. Cependant, un jour, il passait des ténèbres à la lumière en un instant. Qui est cet homme? Le voici, je vous le présente, notre invité d'aujourd'hui, M. Denis Maisonneuve. Denis, bienvenue à l'émission, crois-tu? Bonjour Jean, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Hey, parle-nous un peu de ton enfance, t'es natif d'où? Je suis né à Boucherville, dans le vieux Boucherville, pas le nouveau d'aujourd'hui, mais dans le vieux Boucherville qui date de 300 ans. Ah Au oui. début de la colonie, dans une vieille maison en pierre des champs, pas de bain. De bain puis la toilette dehors, non, quand même. La toilette dehors, pas à ce point-là, mais ma mère, elle me dit qu'elle me lavait dans une bassine. Il n'y avait pas de bain. Ouais, c'est ça, ok, Et oui. une vieille, vieille maison à Boucherville. Oui. Bon, mais là, t'es resté là combien de temps? Ben, à l'âge de. Quand j'ai eu 4 ans, mes parents ont acheté une maison à Laval, à Vimont, précisément, à Laval. Aujourd'hui, c'est pas loin de la 440 et de Boulevard des Laurentides. Mais dans ce temps-là, c'était des champs, des animaux, Ouais. des renards, des chevreuils. Plein d'animaux et beaucoup de champs de cultivateurs, de forêts, c'est vraiment la nature. Ouais. Alors donc, ta vie se poursuit à Laval. Ben, moi, depuis loin que je me rappelle de ma jeunesse, j'étais athée. J'ai fait ma première communion et comme tous les petits Québécois de l'époque, là, je suis né en 56, ça fait que hein, là, j'avais en 62, j'avais 6 ans. Donc, première communion, et je me disais dans ma tête de petit gars, Dieu n'existe pas, tout ça, c'est pas vrai. Mes parents étaient évidemment catholiques pratiquants, c'était ça dans ce temps-là. J'ai été obligé d'aller à la messe jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Mais tout en étant athée, j'allais là parce que j'obéissais à mes parents, mais je croyais pas. Et le 11 mai 1974, ben, j'avais 17 ans, j'ai rencontré ma première blonde, qui est devenue ma femme, Brigitte, la belle Brigitte, qui était d'une famille de 14 enfants, une famille du bas du fleuve, Pohénégamook, pour ceux qui connaissent l'endroit. Et c'est ça, on s'est fréquenté pendant 4 ans. Et en 1978, ben, on voulait s'accoter. Mais nos parents nous ont dit, ben, mariez-vous donc, c'est tellement plus beau le mariage, la belle robe de mariée. On s'est dit, ben oui, certainement, regarde, on s'aime. Puis ça fait que j'ai été voir M. le curé, son curé, à Auteuil, à Laval. Et j'ai dit ça à M. le curé, on veut se marier, puis il me dit, pourquoi voulez-vous marier? Ben, je l'aime, puis on voulait s'accoter, mais nos parents nous ont convaincus de se marier, puis c'est correct, c'est bien. Mais M. le curé, il faut que je vous dise une chose, Dieu n'existe pas. Ça a été toute Mais t'as une. été honnête, t'as été franc avec lui. Ben oui, je ne voulais pas y compter de romance, là. M. le curé, Dieu n'existe pas. Dieu, M. le curé, c'est une béquille pour les mauvais jours. Puis j'ai expliqué pourquoi c'est une béquille pour les mauvais jours. J'ai dit, bon, tout ce que j'ai vu dans ma jeune vie, mon père, ma mère, malgré qu'ils étaient bien religieux, puis allaient à la messe, les voisins, les oncles, les tantes, quand on sortait de l'église jusqu'au dimanche matin suivant, la vie, Dieu dans leur vie, c'était zéro, Un zéro, silence radio. zéro, zéro, zéro de Dieu entre la sortie de l'église le dimanche à midi jusqu'au dimanche matin suivant. Monsieur le curé, mais quand grand-maman est malade, par exemple, là, c'est le chapelet, là.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie, etc., etc. Je m'en rappelle encore, je le sais par cœur. Donc, j'ai dit, Monsieur le curé, quand grand-maman est malade, là, tout de suite, on saute sur le bon Dieu pour avoir le secours. Mais quand grand-maman est guérie ou grand-maman est décédée, c'est encore le signal radio. Bip! Donc, le bon Dieu, Monsieur le curé, c'est une béquille pour les mauvais jours, tout simplement. Ben, il me dit, je vais vous marier dans l'espoir qu'un jour tu crois. Ah. Et Ben, il y a eu vraiment, mariage tout de même quand même devant l'autel et puis à la messe à l'église. à l'Église catholique, puis il n'a jamais si bien dit les choses, c'est comme s'il était un prophète. Parce que j'ai cru après ça, j'ai cru 9 mois après notre mariage, et il n'a jamais si bien dit. Et ça faisait déjà 3 ans que mon frère Richard, le plus vieux, qui me parlait de l'Évangile. Lui, il était chrétien déjà. Et il en parlait surtout à ma blonde, Brigitte. Et ça, moi qui étais un athée, je trouvais ça tellement fatigant. Hey, Ça venait de chercher, hein? arrête de nous fatiguer avec ça. Puis même, je me rappelle, je l'ai pris au collet à un moment donné. Puis pourtant, moi, j'étais un gars doux. J'ai joué au hockey, puis quand il y avait des batailles, mais je me mettais en boule à terre, puis j'attendais que ça finisse. J'étais pas un violent. Mais là, j'ai pris mon frère au collet, puis j'ai dit, si t'arrêtes pas de nous parler de ça, tu vas l'avoir sur le casseur. Bon, en tout cas, tu avais les arguments. Mon cher Denis, on va faire une pause là, hein? Alors, on va essayer de se calmer un peu les esprits, là. Oui. Et après la pause, j'aimerais que tu nous racontes la suite de ton témoignage. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Denis, donc, tu as sorti tes points parce qu'il y a une confrontation entre un croyant et l'athée que tu es. Oui, et j'étais athée, donc ça a pris un miracle pour que j'arrive à la connaissance de l'Évangile, parce que j'étais vraiment pas ouvert aux choses spirituelles. Donc mon frère Richard, il était assez nouveau converti, ça devait être peut-être 2, 3 ans qu'il était chrétien, 4 ans. Et là, il prêchait évidemment à toute la famille, parce que mon frère est un prédicateur. Ça fait au-dessus de 50 ans qu'il prêche partout, partout, dans l'autobus, dans les lieux publics. Partout, vous ne pouvez même pas vous imaginer comment il peut être prédicateur. Et évidemment, il prêchait dans la maison, chez mes parents, puis dans ce temps-là, je n'étais pas marié. Puis, et mon père, il était tellement fatigué de l'entendre parler de Dieu. Il a dit à mon frère, il dit avec sa grosse voix, parce que mon père, il était assez L'armoire à glace. un amour à glace. Il a dit à mon frère, il dit, mon garçon, tu t'arrêtes pas de nous parler de ça. Tu vas aller dehors. Ça fait que mon frère a répondu à mon père, puis jamais on répondait à notre père. Mais mon frère a répondu, je vais être dehors, puis je vais crier l'Évangile à travers la porte. Ça fait que mon père a été comme, pour une des rares fois, il ne pouvait pas répondre. Parce que là, son garçon, ce n'est pas un bandit, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un meurtrier. Il parle de Dieu. Puis il s'acharne à parler de Dieu dans ma maison. Ça, mon père a dû dire ça. Mais j'avais un autre de mes frères. Lui, il s'appelle Michel. Michel, lui, était le troisième de la famille. Richard, c'est l'aîné. Troisième de la famille, c'est Michel. Puis moi, je suis le bébé de la famille, je suis le septième. Ça fait que mon grand frère Michel, lui, c'était un junkie. C'est-à-dire, il se shootait à l'héroïne. Ça faisait plusieurs années qu'il shootait à l'héroïne. Et je couchais dans le sous-sol, parce qu'on était quand même 7 enfants, puis on était 3 à coucher dans le sous-sol. Il y avait Michel, mon autre frère, puis moi. Et souvent, j'ai vu dans le sous-sol son garrot.
la seringue, et ça, j'ai vu ça souvent, souvent, souvent. Et j'ai vu à quelques reprises aussi mon frère qui, Michel, le junkie, qui sautait sur mon père à grands coups de poing. Et mon père, étant donné qu'il était fort, il réussissait à le maîtriser. Puis là, ma mère appelait la police, venez chercher notre garçon. On ne sait plus quoi faire. Ça, j'ai vu ça à quelques reprises. Et évidemment, il a fait des cures de désintoxication. Les psychologues lui ont dit, il n'y a plus rien à faire avec toi, t'es foutu. T'es fini. Tu peux plus revenir. Tu prends la place de quelqu'un qui aurait besoin ici. Ça fait que ils ont mis mon frère dehors de la cure. Ça fait que. Mais mon frère Richard avait lu dans son Nouveau Testament, il avait lu. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, mon frère, il s'est dit, le meilleur candidat pour l'Évangile, c'est Michel, parce que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, Michel a besoin de médecins spirituels, Jésus. Il est le candidat idéal. Et ça me prendrait au moins 1 heure pour vous raconter la conversion de Michel. Mais il s'est converti. Un miracle. Il s'est converti le soir et le matin, il était complètement sevré de la drogue. Complètement, complètement, complètement. Comme un enfant qui n'a jamais rien pris. Et là, évidemment, moi, j'ai été témoin de ce miracle-là. Des années d'héroïne, sevré en une soirée. Alors, comment l'athée réagit à ça? Comment? L'athée que tu étais dans le temps? L'athée, il a resté athée, Oh. malgré qu'il y avait un deuxième prédicateur dans la maison, puis pas moins que l'autre, deux prédicateurs à l'extrême, ils prêchaient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon père, il ne pouvait pas menacer son deuxième fils, parce que son deuxième fils, c'était Lazare. En réalité, il était foutu. C'est le tombeau qui l'attendait. Mais mon père ne pouvait pas rien dire. Ça fait que, waouh! Mais comment est-ce que c'est possible que Michel soit complètement sevré? Là, je me suis dit, est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a une puissance du subconscient, une force intérieure? Si tu veux, tu peux. L'énergie cosmique. Hey. Etc., etc. Surtout pas Dieu, parce que Dieu n'existe pas. Je croyais que c'est ça qu'il y avait dans le Nouveau Testament. Alors ça, c'était ta conclusion suite au miracle qui s'est opéré au sein de votre famille concernant l'un de tes frères. Alors en entendant l'évangile, la proclamation de la parole de Dieu par ton Ben autre oui. frère. Puis moi, là, j'étais tellement dur, dur. Dans ma croyance, c'est une croyance d'être athée. Oui, tu as fait un choix de ne pas croire. Ça fait que. Mais j'étais curieux quand même. J'ai dit à mon frère Richard, le plus vieux, donne-moi un Nouveau Testament. Et soir après soir, là, à cette époque-là, là, j'étais rendu marié. On était nouveau marié à cette époque-là. Soir après soir, je lisais. Après le souper, je lisais. Je lisais. J'ai lu peut-être 2 tiers du Nouveau Testament pour arriver à la conclusion que ce livre-là, c'est le livre le plus con qui ne peut pas exister. Je trouvais Mais, ça. Pardon? cher Denis, c'est là qu'on fait une pause. Sur cette dernière phrase, le livre le plus con qui ait jamais existé. Et pourtant, tu es dans une émission où est-ce qu'on partage la foi et l'évangile. Oui. Mais, alors donc, j'ai vraiment hâte d'entendre la suite de ton témoignage OK. après la pause. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Alors, levons les yeux!
montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Denis, malgré tout ce que Dieu est en train de faire dans ta maison, dans la maison de tes parents, en train de bouleverser la vie de ceux qui existent dans cette maison, toi, tu demeures athée et tu condamnes tout ça. Oui. Et là, bon, je dis à mon frère, tiens ton livre de compte, j'ai pas besoin de ça, mais lui, il me cite un verset par cœur, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une tonne de briques sur la tête, j'ai été foudroyé par Dieu avec ce verset-là. C'était vraiment, vraiment. Et là, j'ai dit à mon frère, alors donne-moi le Nouveau Testament. Parce que là, je trouvais que je venais de vivre quelque chose d'exceptionnel, la première fois dans ma vie que j'entendais la voix de Dieu, autrement dit, par ce verset-là. Et j'ai recommencé à lire soir après soir, mais là, avant de lire, je disais, Seigneur, tu dis que tu existes? Ben, prouve-moi-les. Je ne veux pas que ce soit mon frère ou personne d'autre. Toi, prouve-moi-les. Et là, j'ouvrais le Nouveau Testament. Mais en réalité, j'étais en train de prier. Ça, c'était une prière. Dieu, montre-moi que tu existes. Et Dieu me l'a montré vraiment, vraiment. Je lisais les mêmes endroits que j'avais lus dans les semaines passées. Et là, ça me faisait du bien. Waouh! Ce que tu trouvais con maintenant, là, eh bien, tu es en train de te convertir. Oui, là, c'est moi que je trouvais con. Ah, tiens, de ne pas avoir cru avant tout, dans tout cela, dans Oui. toute cette parole-là du Seigneur, oui. Évidemment, j'avais demandé à Dieu de me dire si vraiment il existe, puis c'est ça qu'il a fait à la lecture du Nouveau Testament. Jusqu'au jour où ce que j'ai décidé d'aller voir l'église baptiste, où ce que mon frère allait, l'église baptiste de Chamédée, j'ai rentré là, puis c'est là que je me suis converti. Dans ma prière intérieure, j'ai dit à Dieu, Dieu, je comprends, je suis perdu. Je suis foutu. Si je meurs, je ne m'en vais pas avec toi, je m'en vais en enfer. Mais je crois que Jésus, ton fils, est mort à la croix à ma place. Il a reçu la punition que je mérite. Merci, Seigneur Jésus. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi-la tout de suite. Et j'ai ressenti qu'il me donnait la vie éternelle. C'était vraiment quelque chose. Ça a été le 18 juillet 1979. 9 mois après notre mariage, que j'avais dit à M. le curé, Dieu n'existe pas, je deviens chrétien. Et là, les jours qui ont suivi, je marchais sur les nuages. Je passais sur les lumières rouges. Et là, je regardais dans mon miroir, hein? J'ai encore passé sur les lumières rouges. J'étais tellement emballé de ma nouvelle vie. J'avais la paix, la joie, continuellement. Et cette paix-là, elle a continué à m'habiter, elle m'habite encore aujourd'hui. Évidemment, j'ai arrêté de passer sur les lumières rouges parce que j'aurais allé rejoindre prématurément mon sauveur. Oui, puis devenait un danger public pour les autres. Oui, quelques jours ou quelques semaines après ma conversion, ben, Brigitte aussi a cru au salut de Jésus-Christ. Et je suis convaincu que si je n'étais pas devenu chrétien, j'aurais vite pris une dérape dans ma vie. Parce qu'avant ma conversion, j'aimais beaucoup prendre un coup. J'aimais beaucoup le pot puis le hash. Et là, je songeais à aller vers de la drogue un peu plus forte parce que ça ne me faisait plus trop effet. Mais le Seigneur m'a attrapé au vol. J'avais 22 ans. Il m'a sauvé. Délivré des deux pièges, l'alcool et la drogue. Donc, dès notre conversion, Brigitte et moi, on a commencé à se joindre aux réunions
À l'église baptiste évangélique de Chomedey, c'était à Oui. Murray Héron, notre pasteur. On était vraiment emballés, contents de connaître les gens autour de nous qui, eux autres aussi, avaient passé par une nouvelle naissance comme la nôtre. Les cantiques de louange, les prédications, les temps de prière. Moi qui étais un athée et qui maintenant j'étais devenu croyant, et ça fait 45 ans de ça et je suis encore emballé. Et lire la parole de Dieu, c'est tellement rafraîchissant pour mon âme de jour en jour. Quelques semaines après notre conversion, Brigitte et moi, on s'est fait baptiser, témoignant de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il est mort crucifié pour nos péchés. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Donc, le baptême, c'est le symbole de ce que j'ai vécu Ouais, spirituellement. c'est ça. Alors, mort, ressuscité. Alors, Oui. baptême par immersion. Et là, Brigitte et moi, au tout début de notre vie chrétienne, on s'est impliqués à notre église. Moniteur, monitrice, école du dimanche, visite à la mission Bon Accueil à Montréal, une maison pour les itinérants. Et on faisait de l'évangélisation dans la chorale. Je jouais la guitare en avant. Après ça, j'ai joué de la basse. Cellule de prière les mercredis soirs à la maison à Sainte-Rose. Là, on demeurait à Sainte-Rose, à Laval. Nos enfants qui assistaient au début de la réunion, puis on les envoyait se coucher après ça, après les chants. Et là, l'étude biblique dans la maison, communion fraternelle après ça, jusqu'à 10 h, oh, minuit. Et on a Alors, participé. l'Église était bel et bien présente, puis la parole de Dieu bien Oh, exposée. on en mangeait, puis on a toujours mangé de ça. Et après ça, on a participé à la construction du nouveau bâtiment d'église. Et mon père et ma mère, qui à leur tour ont cru au sacrifice de Jésus à la croix, ils se sont convertis. Quel bonheur de les voir avec nous aux réunions de l'Église pour louer le Sauveur bien-aimé ensemble. Ils ont été baptisés, eux autres aussi. Ils sont maintenant dans la présence de Dieu. Et un jour, moi aussi, j'irai rejoindre ce Sauveur merveilleux-là et retrouver mes parents. J'ai hâte de les revoir. Depuis ma conversion en 1979, j'ai jamais cessé de lire la Bible. J'ai lu au-dessus de 30 fois ma Bible. C'est toujours rafraîchissant pour mon âme. À ma conversion, j'étais chauffeur de camion et j'ai vite compris que c'était devenu mon champ d'évangélisation. J'ai prêché partout, tout en conduisant les camions, dans les entrepôts où j'allais livrer, compagnons de travail, les mécaniciens, les patrons. Finalement, en 1997, on déménage à Sept-Îles. Dieu nous a appelés au ministère parmi les Autochtones à Sept-Îles. Nous sommes à Sept-Îles présentement. Et on a été rejoindre un couple pastoral qui s'appelait Terry et Jane Baskin. Et j'ai changé mon travail dans ce temps-là pour travailler dans la construction. J'ai annoncé l'Évangile sur les chantiers abondamment à tous les jours. Aussi, à la maison, on recevait presque à chaque jour des Innus qui venaient entendre le message de l'Évangile. Et Brigitte faisait des repas. Elle a fait des centaines de repas. Et en 2007, je suis devenu pasteur de l'église. Terry Baskin est parti avec sa famille. Je suis devenu pasteur. Grand défi. Et maintenant, ça fait déjà 17 ans que je suis pasteur, avec un peuple qui ont des grandes blessures émotionnelles, un peuple très ouvert, par contre, au message de l'Évangile. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Mon cher Denis, courte pause et après, Oui. bien, j'aimerais que tu puisses parler, hein, à nos téléspectateurs de façon plus profonde, plus intime. Oui. Comment est-ce que eux aussi peuvent bénéficier de ce Dieu qui console et qui apporte la guérison après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croitu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. Denis, donc, tu es devenu comme tes frères, dérangeant avec l'Évangile, mais de la bonne façon, maintenant tu veux leur apporter la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu dirais à nos téléspectateurs?
Toi qui m'écoutes, Jésus te lance une invitation. La vie ne s'arrête pas au cimetière, elle continue dans l'éternité. Le problème, c'est que nos péchés nous empêchent d'aller au paradis et nous entraînent à la perdition éternelle, l'enfer. Ça, c'est le problème de nos péchés. Jésus a été crucifié pour enlever les péchés de ton âme. Abandonne ta vie dans les mains du Sauveur Jésus-Christ. Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Je t'encourage à perdre ta vie. C'est pas logique, mais c'est ça l'Évangile. Renonce à ta vie et prends la vie que Jésus t'offre, la vie éternelle. J'aimerais tellement que tu reçoives ce que moi j'ai reçu il y a 45 ans. Que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus parce qu'il a donné sa vie à la croix pour te sauver. Repens-toi de tes péchés, demande-lui de te sauver. Dis-lui, Jésus, sauve-moi tout de suite, comme moi j'ai dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Merci. Mon cher Denis, je remercie le Seigneur pour le beau zèle que tu as encore après tant d'années. Merci de ta participation à l'émission. Et j'inviterai nos téléspectateurs à donner suite s'ils ont fait ce choix ou s'ils veulent être aidés à faire ce choix. On est là pour cela, nous, le ministère Croix-Tu. Alors, appelez-nous, le numéro de téléphone est à l'écran ou venez nous visiter, nous rejoindre à croix-tu.ca, ça nous ferait plaisir. Alors, de vous assister, de vous accompagner dans vos démarches. Et il y a des études bibliques qui peuvent vous aider aussi les mardis. Venez sur notre Zoom à croix-tu.ca à 19h pour le Québec, 20h au Nouveau-Brunswick, animé par Michel Nadeau. Samedi 9h30, ben, tu as toi-même participé. Tu sais qu'on a des Zooms en direct, de témoignages, de conversions comme les gens viennent d'entendre de ta part maintenant. Puis il y a de la littérature, donc pour aider les gens qui veulent lire chez eux, entre autres le passeport pour le ciel, c'est gratuit. Le ministère croitu.ca, on est là pour répondre à vos questions puis entendre vos commentaires. Alors oui, alors donc Denis, encore une fois, je te remercie pour ta participation. Merci d'avoir été honnête, franc avec tout ce que tu as décrit d'un athée qui devient croyant et qui parle de l'importance non seulement du Sauveur, mais aussi de se réunir en assemblée pour avoir une église locale dans laquelle on peut grandir puis mieux connaître notre Seigneur afin de le servir. Merci encore d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, chers amis, de l'émission Crois-tu?